Coucou, j'espère que ça va. Je me suis rendu compte ce matin que je n'avais pas accepté mon vœu Parcoursup et que j'aurais failli être dans la mouise. Yes, I. Déjà ce matin, avec mon copain, on comptait aller à la foire fouille. Parce que je vous l'avais dit dans le vlog précédent, mon appartement est envahi de trucs pour les rats. Et il me fallait vraiment des meubles pour ranger tout ça. Parce que là, vraiment, c'est plus possible. Surtout que... j'ai reçu la nouvelle cage des rats. Elle est très très grande, je vous la montrerai un petit peu mieux après. Du coup voilà, ça prend encore plus de place et c'est vraiment complicado. J'aimerais bien également trouver des petites pinces. Enfin, je vous montrerai un petit peu vers cet après-midi comment je compte aménager la cage, etc. J'ai très très hâte que les rats aillent dedans. Du coup, ce que je vais faire, c'est que les rats iront dedans quand je rencontrerai les 4 rats ensemble. Du coup, bah, ça me laisse le temps de l'aménager parce que c'est vrai qu'il y a plein de trucs que j'ai pas encore fini avec cette cage. D'ailleurs, cette cage, du coup, est à vendre. Finalement, après réflexion, je pense que je vais garder cette cage là pour chez mes parents. Du coup j'hésite en fait à vendre cette cage ou celle-ci. Je pense que celle que je vais plus vendre ce sera celle-ci. Donc si vous habitez sur Poitiers et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais vous la passer d'ici le mois de juin. S'il y a personne qui est intéressé par celle-ci, eh ben j'essaierai de vendre celle-ci. Mais du coup ce sera plus sur Royan cet été. Donc voilà. Et donc cet après-midi, ben, je fais pas grand chose. Je vais peut-être faire un truc avec mon copain parce que du coup ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu avec mon loulou d'amour qui vous aime. Et voilà, j'ai plusieurs trucs à faire. J'ai marqué donc dans mon bullet journal, aller à la foire fouille, vloguer, monter un max de ma vidéo Google Maps. Ouais, parce que je suis un petit peu en retard. En fait, je suis tellement attardée sur ma couture que j'en oublie mon métier. Envoyer un mail à une marque mystère avec qui j'espère que je vais collaborer parce que j'aime beaucoup trop leur site. Et je disais que mon appartement était rempli de trucs pour les rats. Bah déjà là, regardez, il y a un Spoutnik à côté de mon lit. C'est que je suis allergique à la poussière, ok? Tac, regardez tous les cartes. C'est qu'en fait, hier, il y a mon copain du coup qui est revenu avec son père et son petit frère. C'était trop bien, du coup ça m'a permis de les revoir. Et ils m'ont ramené plusieurs colis que j'avais commandés chez eux. J'en ai reçu 4 pour mon appareil photo. Mon appareil photo, j'ai eu pas mal de problèmes au niveau de la batterie. Ça, c'est le fameux colis. J'ai reçu un sac gravure. Il est tellement beau, vraiment. Je suis très très heureuse qu'il me l'ait envoyé. Donc du coup il faut que je poste une photo sur Insta de ce sac là. Un colis Somalia avec 2 paquets de croquettes. Ça me fait 3 kilos. Ce fameux tunnel. Tous les gens qui ont des rats ont ça. Du coup je me suis dit vas-y Maëva, faut que t'achètes quoi. C'est un tunnel en fait qui est extensible. Dans ce colis il y avait également des petites carottes comme ça en bois à ronger. Bah, le dernier colis c'était l'autre moitié de la cage. Ce qui nous a permis du coup de monter la cage entière. Elle est vraiment géante. Genre regardez par rapport à moi. Ça s'ouvre comme ça et c'est hyper sécurisé. Il y a la possibilité de bloquer la porte de gauche, mais on peut également ouvrir et c'est trop pratique pour le ménage, vraiment. Parce que je vous dis, genre faire le ménage à travers une petite porte comme ça pour accéder à là, c'est insupportable. Là au moins tout est ouvert. En bas c'est pareil, ça s'ouvre. En fait je fais de la couture, pourquoi? Pour couvrir tous ces trucs là en fait, parce que j'ai pas envie qu'elle marche sur ça. Parce que déjà c'est frais, puis je sais pas, j'ai envie qu'elle soit confort quoi, normal. Du coup j'ai acheté des petits tapis chenilles comme j'ai mis dans la cage de caca des sauces de luxe. Et du coup je vais recouvrir ces parties là, en bas. Et ces petites rampes là, j'aimerais également les couvrir d'un tissu pour éviter qu'elles marchent sur des grilles. J'aime pas trop parce qu'il y a tellement de rats qui se niquent les pattes à marcher sur des grilles que je préfère éviter. Et du coup bien évidemment cette grosse cage prendra la place de la cage de caca des sauces de luxe. Je vais vous montrer du coup certaines choses que j'ai déjà commencé à coudre pour couvrir tous les plateaux. Déjà celui que j'ai fini pour le plateau où il n'y a pas de trou, c'est ça. Bon du coup c'est fait à la main, donc c'est pas complètement net. J'ai acheté des tapis chenilles. J'ai pris la plus grande taille qu'il y avait à Action, mais malheureusement ils étaient pas assez grands parce que j'aimerais bien que les tapis ils remontent vraiment sur les bords pour que je puisse les accrocher sur les rebords pour vraiment pas qu'elles puissent bouger les tapis. Et voilà, du coup ça fait que j'ai dû coudre un autre tapis sur le côté et sur le côté également. Et après donc j'ai commencé à faire celui-là. Genre c'est trop mignon, il a un trou. Mon mec est en train de faire son gros relou. Il a un gros problème avec la ponctualité. Oui, on va à la foire fouille ce matin parce que sinon il y aura trop de monde l'après-midi. J'étais complètement ok avec lui parce qu'en plus on est samedi. Je lui ai envoyé un message ce matin, genre à 8h, je lui dis oui, on y va quand? Je n'ai toujours pas de réponse, je suis sûre qu'il est en train de dormir. Du coup, je vais m'habiller en 2-2 et je vais débarquer chez lui. J'ai fait sortir les nouveaux rats. Je vais les faire rentrer dans la cage parce que du coup, je vais partir là. J'ai une dégaine de ouf là, on est sur un jog Adidas que mon mec m'a donné. Des Vans Slip-on et attention, les chaussettes qui dépassent. Voilà, j'ai mis ma capuche et tout. Le petit masque.
je suis revenue de la farfouille. J'ai réussi à réveiller mon mec. Il était en train de dormir, hein, bien évidemment. Et j'ai craqué. Je suis en train de craquer. J'en peux plus. J'ai acheté deux trucs dont j'avais pas besoin. En vrai, ce sera toujours utile. J'ai acheté des tapis chenilles. J'en ai acheté deux autres juste parce qu'ils étaient verts et roses. C'est des trucs que je pourrais utiliser pour les petits plateaux qu'il y a genre ici. J'ai acheté aussi des petites pinces à linge parce que j'avais besoin de petites pinces en ferraille pour passer à travers les barreaux. Mais ça, je vous expliquerai mieux cet après-midi dans l'organisation de la cage. Des petites pinces comme ça, voilà. J'ai également trouvé des petits casiers comme ça. De base, je voulais qu'ils soient beaucoup plus grands. Mais bon, en vrai, c'est plutôt cool parce que tout ce que j'ai besoin qui rentre, rentre. Aussi, j'avais oublié de vous dire, j'ai acheté des petits perroirs. Tout d'abord, dans le premier, plein de petits accessoires, donc des mangeoires, biberons et tout, hamac, etc. Trucs en tissu qui ne serviront à rien. Ici, on a tout ce qui est très important pour les rats. Je pense que quand on a des rats, on a forcément un truc avec des trucs comme ça. Bon, là, c'est juste des piles et là, c'est des roues. Là aussi, c'est juste des rouleaux et tout que je garde parce que j'aimerais bien m'en servir prochainement pour faire des espèces de jeux pour les rats. Bref, là, du coup, j'ai des trombones. Justement, les petites pinces que je vous ai montrées. D'autres petites pinces que j'ai trouvées à Bureau Vallée pour accrocher en fait les tapis sur les plateaux. J'ai également des petits fils de renforcement comme ça que j'avais dans des colis, etc. pour accrocher certaines choses. Voilà, donc c'est hyper pratique. C'est uniquement dédié à la bouffe. Tous les trucs que j'ai utilisés pour faire mon mélange maison, donc là par exemple on a des baies de goji, etc. Tout cela, c'est tous les trucs que j'avais déjà ouverts, et en bas c'est tous les trucs que j'avais pas encore ouverts. C'est tout. Ces petites étagères, du coup, elles iront là-bas. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en dessous de la cage, du coup, il y a un espace. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ce qui est chanvre, croquettes, le mélange maison, la boîte de transport, enfin, en espérant que tout rentre. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir fait ces achats parce que ça me permet vraiment de réunir tous les trucs pour les rats. Voilà. Là, du coup, il est 14h39. On n'a toujours pas mangé. Du coup, ben, on va aller manger aussi, monsieur. On va manger des pâtes carbonara. Regardez les beaux verres que le père de mon copain nous a offerts. Ils sont vraiment trop beaux. Je sais pas si vous connaissez la bière Delirium. Elles sont là, elles sont trop belles. Fruit rouge justement et la basic. Ma préférée c'est la fruit rouge parce que je me rappelle que celle-ci elle moussait de ouf. C'est peut-être parce que je l'avais brassée, je sais pas. Vous l'aurez compris, je suis rentrée chez moi. Là ce que je vais faire c'est que je vais ranger parce que vraiment le bordel il me met mal à l'aise depuis avant-hier je crois. Et après je me mettrai à monter. Après il faudra que je me prépare parce que il y a Merlin qui m'a appelé pendant qu'on était chez mon copain et il nous a proposé de se voir ce soir. Du coup on va faire un petit apéro tout ensemble ce soir, ça va être sympa. J'ai fini de me préparer. Bon, je vais pas partir maintenant, mais je voulais vous montrer un petit peu mon outfit. J'avais déjà porté une tenue qui était presque similaire dans un autre vlog. Je vous mettrai dans le petit si vous voulez aller voir. Un t-shirt Hello Textile, donc c'est la marque de la mère de Merlin. Donc si vous voulez aller voir le site, je vous le mettrai en barre d'informations. Après, j'ai une robe qui vient de chez Pull&Bear. Mes Buffalo avec des petites chaussettes qui viennent de chez Decima. C'est un petit peu montante comme ça. Je trouve que ça rend super bien. Ça donne un petit côté un peu street. Et j'ai mis le petit sac Graphéa que j'ai reçu. Je vous conseille vraiment d'aller voir le site. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir et je vous mettrai même le lien du sac. Voilà, donc après des petits colliers, Naked, bijoux Brigitte, Junkyard et mes boucles d'oreilles bijoux Brigitte comme d'habitude. Bon, là il est 21h et je vais aller donc chez mon copain. Par contre ça me fait chier parce que du coup aujourd'hui j'aurais pas fait sortir les rats. C'est très rare que je les fasse pas sortir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui du coup j'ai passé du temps avec mon copain et je pensais pas que je ferais un truc avec Merlin ce soir. Et du coup j'ai rajouté un petit sweat et j'aime trop rajouter des sweats sur des robes. Parce que je vlog aujourd'hui. Très bien.